Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une ce soir. La fin du sommet de la TICAD marque le renforcement de la coopération Djibouti-Nippon en matière d'énergie surtout. Au Yémen, un attentat terroriste revendiqué par l'État islamique fait plus de 60 morts. Merci à vous de nous rejoindre. La sixième conférence consacrée au développement de l'Afrique et initiée par le Japon a clôturé hier ses travaux au centre de conférence Jomo Kenyatta de Nairobi. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature de quelques 73 protocoles d'accord entre divers partenaires africains et japonais du secteur privé. La République de Djibouti était représentée à cette conférence sur le développement du continent africain par une forte délégation conduite par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Cette délégation comptait notamment le ministre de la présidence chargée des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Santé, Dr Jama El-Miyaouki. Environ 22 entreprises japonaises et africaines ont signé 73 protocoles d'accord lors de la 6e conférence internationale de Tokyo, TICAD 6, sur le développement de l'Afrique. Ces protocoles touchent des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, la santé, l'industrie agroalimentaire ou la sécurité. Le président Kenyon Uhuru Kenyatta, pays hôte de la conférence, s'est félicité des résultats obtenus au cours de cette conférence et de l'esprit qui a dominé les débats. Ils nous ont invités à visiter leur société au Japon. Et c'est un honneur pour moi d'avoir participé. Nous avons besoin d'apprendre avec les Japonais. C'est important pour notre pays qui est en plein développement et en plein mutation. Et la technologie japonaise, comme c'est mondialement connu, et nous allons essayer de profiter de ça pour pouvoir aussi apporter un plus à notre pays. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le président des autorités des ports et des zones franches, Moussa Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que Djibouti espère attirer les investisseurs japonais dans le pays, ce qui permettrait d'améliorer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. De son côté, notre ambassadeur au Japon, M. Ahmed Ali Harré, a affirmé que la conférence au sommet sur le développement du continent a rassemblé, outre les dirigeants africains, les décideurs politiques ou les représentants de grandes sociétés, des parlementaires, de hauts responsables des agences onusiennes ou des parlementaires de la société civile. Écoutons-les. C'est la première fois que cette conférence de la TICAD 6 se déroule en dehors du Japon, se déroule en terre africaine. Et cela démontre l'importance de la croissance économique du continent. Le continent africain aujourd'hui a une très forte augmentation de son l'économie, de la croissance de son économie. Et c'est une des croissances les plus fortes, on peut dire, aujourd'hui dans le monde. Donc beaucoup, de plus en plus de pays et de pays s'intéressent au continent. C'est pour ça que nous voyons que cette importante délégation japonaise conduite par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, nous espérons attirer les investisseurs japonais qui vont s'installer et produire les marchandises que consomme le continent africain à Djibouti même dans les zones franches. La singularité de cette rencontre, c'est que non seulement il y a le gouvernement, mais il y a aussi toutes les catégories, n'est-ce pas, telles que le Parlement, telles que la société civile, telles que le secteur privé. Et ainsi, nous avons pu vraiment faire de sorte que ça soit un succès. Et je suis convaincu que c'est le début d'une autre aventure aussi, comme on le dit. TICAD, c'est aussi le Japon et l'Afrique main dans la main. Donc nous sommes vraiment très heureux que cela ait pu se faire en tant qu'ambassadeur de Djibouti au Japon, mais en même temps en tant qu'Africain et en tant qu'ami du Japon. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jama Inoki, a retenu les propos du Premier ministre japonais Shinzo Abe sur la mise en place en Afrique de l'assurance maladie universelle, qui, selon lui, est une question d'équité et de responsabilité vis-à-vis des populations. Nous l'écoutons. La TICAD 6 a beaucoup insisté sur la question de la santé et le Premier ministre japonais a, dans sa déclaration, à plusieurs reprises, a parlé du thème de la santé, sur la question de la résilience et surtout sur l'assurance maladie. Donc tous les chefs de gouvernement des pays africains ont adhéré à ce thème et ont tous déclaré que la santé était une priorité dans chaque pays.
Nous, la République de Djibouti, sur la question de l'assurance maladie, lorsque nous avons écouté les différents débats, nous nous sentons très heureux et nous sommes vraiment heureux de savoir que nous sommes parmi les pays les plus avancés. Cette idée était venue du président de la République sur l'assurance, M. Samuel Marguel, qui avait insisté que la population djiboutienne puisse avoir une santé accessible et de qualité. Et le ministre près de la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, qui a participé aux côtés du président Guelleh au 6e sommet Afrique-Japon sur le développement du continent africain, a précisé dans une interview ou dans une réaction à la presse que ces conférences organisées par Tokyo sont très importantes pour le développement de l'Afrique mais aussi pour Djibouti. Elles permettent, a-t-il poursuivi, de renforcer le partenariat dans de nombreux domaines. Tous les pays africains vont bénéficier de ce partenariat avec le Japon, a-t-il dit, et cela consolidera les projets de développement dans de nombreux secteurs. Ali Guelleh s'est félicité des propositions faites par le Japon en matière de soutien dans le secteur énergétique, et en particulier la géothermie et le solaire. Les deux pays, a-t-il ajouté, vont aussi renforcer leur partenariat et leur coopération dans le domaine de la santé, du renforcement des infrastructures et la formation des cadres. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Soudan, Ahmed Ali Barré, a été reçu ce matin par Soumaya Mohamed Ahmed, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Soudan. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur le sujet d'intérêt commun entre les deux pays frères dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation. L'ambassadeur a transmis les salutations fraternelles du docteur Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'enseignement supérieur à son homologue. Ensuite, l'ambassadeur a, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord précédemment signé entre les deux pays, sollicité l'ouverture d'une faculté scientifique arabe à l'université de Djibouti, pouvant assimiler les bacheliers des séries scientifiques arabophones en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur de l'université de Djibouti. L'ambassadeur a ensuite remis à son hôte les dossiers des demandes de bourse de ces étudiants djiboutiens rapatriés du Yémen. Il s'agit d'un deuxième groupe et de quelques nouveaux bacheliers. En réponse, la ministre a salué l'initiative et a proposé la venue à Djibouti d'une équipe de 5 experts pour étudier la faisabilité du projet entre les deux institutions concernées. Au niveau national à présent, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017, une vaste campagne de nettoyage des établissements scolaires publics s'est déroulée hier et aujourd'hui dans la capitale. Une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministère s'est rendue dans plusieurs écoles et collèges de la capitale pour superviser le bon déroulement de ces opérations de nettoyage. Ces opérations impliquent des éléments de toutes les troupes constituées comme les forces armées djiboutiennes, la police nationale, la gendarmerie nationale, la protection civile, les gardes-côtes ainsi que la garde républicaine. Ces opérations de nettoyage s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre le MENFOP et le corps constitué. Notons que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustapha Mohamed Mahmoud, a ordonné l'acheminement de tous les matériels nécessaires à ces opérations de nettoyage dans les établissements scolaires. Et les différents éléments de ces corps ont débuté hier tôt ces opérations de grande envergure. Les sections de blindés de la CCO ont pris en charge le collège d'enseignement moyen de Fukuzawa, alors que les collèges du quartier général des forces armées djiboutiennes ont accompli cette mission citoyenne et patriotique à l'école de quartier 6. À l'école de la zone portière sud, le garde-côte a nettoyé de fond en comble avec ardeur et dans l'enthousiasme. De son côté, la police est déplacée à l'école du quartier 7 pour effacer tous les stigmates de l'été. Les pompiers, ce corps si dévoué dans la protection civile, a rendu son éclat à l'école de Balbala 3 dans le moindre des détails. Enfin, il faut souligner que les chefs d'établissement n'ont pas manqué de remercier ces différents éléments pour cette contribution patriotique destinée avant tout à nos enfants, signalant que ces opérations d'envergure s'étaleront durant plusieurs jours. Toujours en prévision de la rentrée scolaire, mais cette fois à Dikil, une journée consacrée au nettoyage des ordures jetées aux alentours des établissements scolaires a eu lieu hier. Cette opération de propreté a été menée par la préfecture en collaboration avec les parents d'élèves et des directeurs des écoles. Tout le monde s'est mobilisé pour cette action de civisme, d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement immédiat, alors que les enfants se préparent à reprendre le chemin de l'école
l'école après 3 mois environ de vacances d'été. Le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, s'est déplacé en personne dans les écoles pour suivre ses travaux d'assainissement et de propreté. Les écoles ont dit qu'ils sont prêtes à accueillir les élèves et dès le 5 septembre prochain, date fixée pour la reprise des cours. Effectible de la préfecture de Dikil. Nous remercions à travers cette journée les préfets de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, qui, grâce à son matériel et son personnel, a pu rendre l'atmosphère de l'école agréable, prêt pour accueillir les enfants. La rentrée est prévue le 5 septembre. Actuellement, l'environnement de l'école est propre. Et merci à la préfecture, merci à la RTD. Et nous souhaitons une bonne rentrée aux élèves. Nous demandons aux parents à ce qu'ils viennent durant cette journée du 5 avec leurs enfants. Et nous sommes prêts, l'école est prête physiquement à accueillir les enfants cette journée du 5 septembre. Enfin, pour clore l'actualité nationale, une séance de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive au profit des jeunes du quartier 5 s'est déroulée ce matin au centre de développement communautaire de ce quartier. Ces séances de sensibilisation sont conjointement organisées par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. Elles ont démarré le 9 août dernier dans tous les CDC de la capitale. Elles visent à éviter aux jeunes les comportements à risque face à la pandémie du VIH-Sida ou autres maladies sexuellement transmissibles, et tout comme les grossesses prématurées non voulues ou non désirées. Des conseils sur la prévention de la consommation d'alcool, des drogues ou du tabac, sur les violences ainsi que les conduites dangereuses de véhicules sont également prodigués. L'abandon des mutilations génitales féminines, les mutilations ou la violence fondée sur le genre, le recours aux contraceptifs pour la planification des naissances y sont également abordés. Au cours de ces séances, les jeunes débattent sans tabou de tous les sujets qui concernent leur vie et leur avenir. Ce qu'on pourra partager, en fait, beaucoup de choses, parce que nous sommes là aussi pour vous transmettre des messages, mais aussi apprendre de vous. Donc, essayons de nous amuser. En même temps, on va apprendre des choses. Et de là, nous passons à l'actualité internationale au Yémen. 60 personnes ont été tuées ce matin à Aden dans un attentat suicide, un attentat revendiqué par le groupe État islamique ayant visé des jeunes recrues de l'armée yéménite. Aden vient de connaître sa pire attaque depuis son retour dans les giron du gouvernement en juillet 2015. Cela montre les difficultés qu'ont les autorités à rétablir la sécurité de cette grande ville, pourtant déclarée capitale provisoire du Yémen. Selon des sources de sécurité, l'explosion s'est produite dans la cour de l'école Sanafir. Les recrues rassemblées dans la cour terminaient les formalités pour rejoindre les rangs des forces armées yéménites que le gouvernement en exil en Arabie Saoudite veut renforcer avec l'aide de la coalition arabe. Selon des témoins, le kamikaze a profité de l'entrée d'une camionnette de livraison pour lancer son véhicule contre le rassemblement de recrues. Le secrétaire d'État américain John Kerry de passage à Jeddah a proposé jeudi dernier une nouvelle approche pour résoudre le conflit sur la base de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Elle a été approuvée par les pays du Golfe, les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'accord définitif comportera dans sa première phase la mise sur pied rapide d'un nouveau gouvernement d'union nationale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous suivez et très bonne suite de nos programmes sur Télé-Djibouti.